rentrer maintenant dans les vrais sujets. On me dit, moi je ne vais rien cacher, hein. On me dit pendant les condoléances, on n'a pas vu la famille de ma femme. C'est à qui on vient présenter les condoléances? Ce n'est pas à la famille, c'est à Makosso. Les gens se déplacent là. C'est à cause d'un nom. Camille Makosso. Je répands ce qu'il dit. Mais quand est-ce qu'il dit, je me trompe? Les gens se déplacent là. Les gens pleurent parce que Camille Makosso a perdu sa femme qui s'appelle Tatiana. Donc on aime Tatiana à cause de Camille Makosso. C'est ma femme. La famille paternelle, à 4 reprises, sont venus pleurer avec moi. Mais je ne vais pas les exposer pour prendre les photos, monter ça sur les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas ça. Il y a 2 familles. Il y a la famille paternelle qui sont les Cosséré. Et il y a la famille maternelle dont la maman s'appelle Dogo. C'est 2 familles différentes. Celle qui est en Angleterre qui fait le communiqué à la con. Là. Cette Agnès, c'est pas l'Ognon quoi là, qui fait le communiqué bête là. Parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête là. Je l'attends au funérail. Ah oui! Ce qui est tout dans l'affaire là, c'est que c'est moi qui organise les funérailles de ma femme. On est mariés, tanti. Donc, j'ai te montré qu'en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai le pouvoir. Ben oui, ça va en séquencer. Les communiqués, je suis de retour, je suis maintenant réveillé. Quelqu'un n'est qu'à venir s'arrêter devant moi pour parler. Délivrant de cette personne, il va savoir qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous avez contacté des activistes pro-Gbagbo qui sont en train d'attaquer le régime pour insulter le régime et Makosso. Mais je vous attends au funérail. Vous êtes tellement bête, vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. Avant de faire quelque chose, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Ce qu'on est en train de faire là, les conséquences. Je suis ici, je regarde, je ne parle pas. Je suis tranquille. La belle famille paternelle est venue pleurer avec moi. Ma belle-mère a reçu les parents qu'elle connaît et les amis qu'elle connaît qui ont été frappés par sa douleur, qui sont allés pleurer avec elle. Voilà. Ma belle-mère ne m'a jamais aimé, ne m'aimera jamais. Elle me l'a dit. Pourquoi voulez-vous que je force ma belle-mère dans le deuil pour dire, viens t'asseoir à côté de moi, on va essayer de montrer aux gens qu'on est unis. On n'est pas unis. Voilà, je me dis clairement. Voilà. Voilà, ma femme est décédée, c'est sa fille. Je pleure pour elle parce que ma femme aimait sa maman. Ma responsabilité, c'est d'honorer les 2 familles. Mais la famille qui veut que je les honore, je les honore. La famille qui n'a pas besoin de mon honneur. Mais ils pleurent, je pleure et puis bah, c'est fini. Ça fait 2 mois, mes enfants sont là. Ça fait 2 mois, aucun parent de Tatiana vient voir les enfants. 2 mois. Ils disent qu'ils aiment leur fille. Personne n'appelle, tous mes enfants ont téléphone. Même l'enfant de 9 ans, iPhone. Personne ne prend le téléphone pour appeler les enfants. Vous avez mangé aujourd'hui, vous avez dit, c'est quel amour que vous avez pour votre enfant? Vous aimez Tatiana? Vous êtes sûr que vous aimez Tatiana? Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour parler? Facebook là, c'est moi le maître. Je répète ce que je vous dis. Parce qu'il y a l'un de ses parents qui m'a dit un jour, nous là pour l'instant, on ne veut pas se répandre sur Facebook. Il fallait te répandre sur Facebook. Tu as donné une seule information de diffamation. Je t'ai fait arrêter en Côte d'Ivoire pour diffamation. Ça c'est clair, je ne suis pas là pour m'amuser. Le temps de l'amusement est fini. J'ai compris que dans l'affaire de ma femme là, on veut faire des règlements de compte de début de mariage. Puisqu'on ne m'a jamais accepté, on s'est marié en bris. On dit amour des parents, amour n'est pas parents, on s'aime chérie, on se marie. C'est ma femme qui a organisé le mariage. C'est ma femme qui a payé la première caution de notre maison. Parce qu'elle est femme de Makosso. C'est clair. On a fait 4 enfants. Je suis éternellement reconnaissant pour sa mère. Parce que dans ma prison, mes enfants étaient chez elle. Mais je n'accepterai jamais que cette famille pose des actions pour détruire l'avenir de Tatiana. Parce que Tatiana, aujourd'hui, elle est 4 en ses enfants. Comment vous pouvez comprendre